Eh bien, salut tout le monde, c'est Mantoti, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre Let's Play sur Pikmin 3 Deluxe, y compris, excusez-moi, le dernier épisode de la démo, hein, parce que je me suis un peu renseigné, voilà, les gens qui faisaient la démo le finissaient en 3 jours généralement. Et je me suis du coup renseigné sur ce que la démo me proposait en fait. Alors on va prendre 50 Pikmin rouges et 50 Pikmin noirs. Ah bon, ok, on va faire comme ça alors. Voilà. On va tous les appeler comme ça. Et on va faire un peu de populace du coup. Ouais, je me suis un peu renseigné sur ce qu'il y avait à faire. Et bon bah j'ai vu que finalement il y avait... C'était très... Alors on va foncer comme ça, voilà. Hop, et on va foncer encore comme ça. Voilà, allez-y, les Pikmin sans feuilles, là, voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc je sais ce qu'il y a à faire dans cet épisode-ci. Rien de très très nouveau, rien de très très riche. Alors je voulais juste faire une chose. Attendez, c'est quoi? C'est ça, voilà. Je voulais tout diviser comme ça. Brittany, viens avec moi si tu veux, ou quoi que, voilà, reste là. Je voulais aller voir là-dessous, là, il n'y avait pas... je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de notes, il n'y a pas l'air d'en avoir en tout cas. Par contre, ici, il y a ça. Alors, par contre, la portée de dingue qu'a ce sifflet, c'est incroyable. On aura l'occasion d'avoir d'autres fleurs, etc. Enfin, d'autres nectars. Je veux ceci, voilà. Hop, allez, ramène. Donc, j'ai pu voir d'autres petites fonctionnalités en regardant des... Ah oui, voilà, c'est ça que je vous disais à la base. j'ai regardé des youtubeurs, tout simplement, qui ont joué au jeu, voir quel moment est terminé. Donc, j'ai vu, en fait, tout simplement, ce qu'ils ont fait. Ah, mais allez. Non, ah non, je voulais juste récupérer, voilà. J'ai vu un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, donc voilà. Honnêtement, j'ai vu où ils en étaient. C'était pas bien compliqué. Je sais pas si j'étais bien clair. Mais voilà, je suis certain que cet épisode sera le dernier. Donc on va avoir un boss aussi dans cet épisode, je vous le dis. On va aller dans cette zone-ci. D'ailleurs, ce serait dommage de faire un épisode que sur ça. Mais bref, voilà, il y aura de la populace. Je vous dis, oh, une note. Une note. Vous allez voir ce que la note va nous dire. Ça va être très intéressant. Tiens, il y a une note ici. Ouais, merci de faire le même constat que moi. je ne sais même plus combien de temps ça fait que qu'on est arrivé sur cette planète. Je me demande comment va ma famille sur Okotat. Okotat, pour ceux qui ont connu les précédents Pikmin, vous savez. En tout cas, cette fois-ci, je ramènerai un trésor à mon fils. Il ira discrètement dans ma poche et hop, le tour sera joué. Ah tiens, c'est moi qui ai regardé Okotat. C'est une planète pas loin d'ici, je crois que c'est ça qu'il raconte. Captain Olimar. Ah, il a entendu parler du Captain Olimar. J'aurais peut-être mieux fait de lire. Un trou géant. C'est une grotte. Donc, mesdames, messieurs, vous allez voir. Alors... Je vais mettre ça comme Pikmin. Et là, oh non non, salut. Alors de mémoire, ce boss là, il est pénible. De mémoire, hein. De toute façon, on va bien voir. Parce que si mon épisode, il est limité qu'à faire que ce boss là, bah, honnêtement, je suis navré. Hop, boum. Allez, cassez. Revenez ici, s'il vous plaît, je vous en prie. On lui a cassé ses cornes. Ok, bon, ça, il m'explique. Alors, je vous explique. Vous voyez, il a une sorte de capuche de glace. Et en fait, il n'y a que les Pikmin Rock qui peuvent casser cette sorte de capuche. Et sinon, les Pikmin rouges ne peuvent pas casser la capuche. Mais ils feront des dégâts. Ça, c'est clair et net. Bon, par contre... Oh putain, il m'en a renversé des Pikmin. Mais par contre, il y a eu genre aucune perte, vite. Bam. Mais attendez, on n'a qu'à faire ça, là. Oh là là, revenez vite. Putain, il est vilain. Yeah. Non.
Vite, vite, vite. Fracassez-le. Oh mais déjà. Oh bah on l'a tué. Bah normalement il est censé être mort. Je sais pas où il est. Il va faire nimp. Il va faire nimp. Allez reviens. Reviens, je sais pas comment on te tue mais... Viens Brittany. Boum. Bah voilà on l'a eu. J'ai lancé Brittany dessus. Rien à faire. Bon le premier boss ne fut pas bien compliqué. J'avais vraiment mémoire qu'il fallait lui casser ses petites cornes là. C'est donc ce qui émettait ce signal. Mais alors, Drake, ouais, bon, en gros, il va l'étudier le Alf. On va le faire porter par des Pikmin rouges. Voilà, voilà, un téléphone. Bon, on va voir comment le vaisseau va l'appeler. Vous venez là. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on va le faire porter à des Pikmin comme ça, là. Des Pikmin Rock. Voilà, comme ça. Ça va se reproduire pour les Pikmin Rock. Là, ça va faire beaucoup, beaucoup de Pikmin Rock. Parce que les rouges, on aura l'occasion de pas mal le faire. Et vous allez tous dessus, là. Allez. Ok. Bon, bah, c'est super. Je veux juste regarder, là. Il y a rien d'autre. Si je vais là, il y a... Que dalle. Ouais. Ah, d'accord. Hein, on pouvait se cacher, en fait. Il y a quoi, ici? Nada. Que dalle. Vraiment, il n'y a rien d'autre, c'est un peu triste. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord, mais je m'en fiche de ça. Bon, très honnêtement... Oh, ils ont disparu. Oh là là. Bon. Je sais où est-ce qu'on va aller, si on a le droit ou le potentiel. Parce que le mec, dans la vidéo que je regardais, c'était un live, il ramenait tout ça et ensuite il s'arrêtait. Genre, il a fait une grosse ellipse de sa journée. Et il s'arrêtait. Mais je me dis... mais putain de merde, on peut aller, il y a un endroit où on peut aller que j'ai cassé, que lui il n'est pas allé. Parce que là, c'est vrai que pour le moment on peut pas faire grand chose maintenant. Mais il y a un endroit où on peut aller, c'est là-bas en face. On ira voir après. On ira voir. Donc, on va juste récupérer tous nos Pikmin. Récupération en cours. Alors. Qu'est-ce que c'est? Comment il va appeler ce truc-là? Analyse du... Je sais pas quoi. Analyse. Mange minute antique. Oh, un mange minute antique. C'est... N'importe quoi. Ouais, bon, en gros, le Alf, là, comme je disais, c'est un peu le mécano de la bande. Il va arriver à faire un petit truc très sympathique de ça. Est-ce que je peux vous envoyer dessus? Oh là là, mais bien sûr. Mais bien sûr. Allez, ça va en faire des Pikmin. Je sais pas combien ça va en faire, mais regardez. Attendez, on va attendre. Je suis sérieux là? Ça fait beaucoup. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait. Mais on les a tous là? Mais non, il manque le fruit. Où est le fruit? Ils sont avec leur fruit. Ils l'ont ramené le fruit? Mais non, il est là. Ce que je dis. Ramenez le fruit. Allez, je vous attends tous là. Après on va faire 50-50. Attendez parce que il y a un Pikmin comme ça là qui n'a pas bu du nectar. J'aimerais qu'il boive du nectar. Il a bu? J'ai pas fait attention. On va dire que oui. N'importe quoi cette début de journée. N'empêche qu'elle s'est pas mal entamée. Je suis assez content. Voilà, bon, bah, tranquillou bilou. Alors, dans un premier temps, mademoiselle Brittany, vous allez aller là-dedans. Ok, ok, on ne peut rien faire. Est-ce qu'elle peut taper? Mais bien sûr qu'elle peut taper. Tiens, meurs. Bon, ça serait un peu trop long. Hein, on va pas le nier. J'ai vu des ennemis, des feuilles. Est-ce que là-bas, on peut y aller? Moi, j'ai vu. Là, je l'ai pas vu y aller ici. Mais en vrai de vrai. C'est très bizarre. Ça, je ne peux rien faire. Oui, mais il y a Alf. Alf, il peut. Alf, allez. Va là-dessus. D'accord. Et je suppose qu'en fait, il faut des... J'avais peur de quelque chose. Alors, Alf, je veux
que tu renvoies les... Ah mais ouais mais je vais rien pouvoir faire, il a raison. Oh ça fait chier. Non je voulais pas. Je voulais pas. Alf. Ouais mais non mais... Ah là là. Mais Alf en fait je vais rien... Non mais... Non mais là en fait... Oh mais si. Mais... Purée. Non. Non. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu... Oh mais putain mais il y a des fruits. Mais j'avais même pas fait gaffe et le mec il est pas venu ici. Ah là là, n'importe quoi. N'importe quoi. Là, il me faut des Pikmin, Brittany. Là, il m'en faut. Ah là là. Allez, envoyez des Pikmin rouges à Alf. Alf qui va les siffler. Viens ici. Allez, ça va là-bas. Voilà, je suis persuadé que si Alf, il va ici. Hop, que Brittany, elle jette... Genre des Pikmin là, voilà. Même on va mettre des rocs là, voilà. Parce que, à mon avis, les rocs, on va pas en avoir besoin. Qu'est-ce que ça me fait? Ok, j'en ai rien à faire. Voilà, il y en a un certain nombre. On envoie. Oh, attendez, venez ici les Pikmin rouges là. Voilà, on envoie 20 Pikmin rouges à Monsieur Alf là. Enfin, 19 en tout. Non, 20. Ok. Alf. Ok. Ah mais non, ouais, parce que là en fait, bah non, on peut plus rien faire. Non, parce que, ok, mais comment j'envoie Alf de l'autre côté? On ne peut pas. On ne peut pas, mais n'empêche que, ouais, un nouveau type de fruit. Ah mais ça va m'embêter qu'on puisse rien faire là, oh là là. N'empêche que ça a l'air intéressant ce qu'il y a là-bas derrière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire des fruits? Citron, ouais, enfin c'est un citron, comment il appelle ça? Grimacier. Grimacier. N'empêche qu'il a eu un nouveau fruit. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu comme ennemi? Ouais, bon. Si ça vous intéresse de lire tout ça, très honnêtement, moi pas. Enfin, pas trop. Bon, on va faire de la populace alors. C'est vrai. Je vais vous montrer un truc. Il va falloir un Pikmin et une Brittany. Et on va prendre un Pikmin qu'on va faire... Tchouk. Voilà. Oh non! Quelle horreur! Ce Pikmin est en train de se noyer. Oui, il faut vite le siffler. Allez, viens vite! Voilà. Au moins, vous aurez vu quelque chose d'autre. On peut noyer les Pikmin. Petite cinématique et tout. La classe. Autre chose que j'ai vu, regardez. Ça, je sais pas si on pouvait faire ça de base dans le 3. Mais regardez, je vais jarter mes Pikmin ici. Et là, je me dis, oh là là, c'est la fin de la journée. Il manque 4 Pikmin. Je vais ici et je fais rappeler. Et là, regardez. Ok, d'accord. Ils reviennent au vaisseau. Bon, lui, il a peut-être compris qu'il y était déjà. Mais voilà, voilà. Bon, on va rentrer tous nos Pikmin. Alors, attendez, parce que de mémoire... Ah, c'est ça. Regardez. Attendez, je vais remettre nos Pikmin. Vous allez voir. Je vais ranger tous mes Pikmin. Et si j'appuie sur cette fameuse... Sur une touche, là, eh ben, je peux les prendre en division, comme ça. Ça me les met... un par un. Non, je voulais que tu ranges tous mes Pikmin. Voilà. C'était le petit truc que je voulais vous dire. Je ferais mieux de... Je sais pas ce que tu racontes, mais je m'en fiche. Je visite juste au niveau de l'eau, là, que parfois, il y a des notes. Mais, bon, apparemment, il y a l'air de rien avoir. Faudra qu'on revienne ici avec... avec le capitaine Charlie qu'on a vu dans le premier épisode. Et c'est tout. Et des Pikmin jaunes. Voilà. Bon, mesdames, messieurs. Du coup, on va faire arrêter la journée. Aller au soir. Ah. Ça me fend le cœur de faire ça à Pikmin. Tous ces des minutes sacrifiées. Bon, encore là, on n'a pas vraiment perdu du temps. Parce que j'ai fait un tour de la zone, on a fait un peu de populace, on n'a pas rien fait non plus. Je sais pas si j'aurais fait un petit montage pour vous épargner un peu toute ma recherche. Je pense que oui, quand même, parce que je suis pas non plus sadique. Je vais voir ce que je ferai, si je trouve un bon silence pour ça. Mais voilà. Voilà. On a fini du coup la démo, donc vous, ça change rien. Hein. Vous aurez l'épisode 4 qui suivra... le jour d'après, enfin pas le jour d'après celui-ci que vous regardez l'épisode, mais dans mes horaires habituels qui sont pour, alors pour Pikmin généralement c'est le mercredi, samedi et lundi.
Oh, nous avons de nouveaux types de fruits aujourd'hui. Touche fleurie. Oh, quel nom. Alors, voilà, ça a l'air de remplir beaucoup de bocal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bocal. Ouh! Nickel. Parfait. Voilà. Allez, troisième bouteille. Troisième bouteille. Nickel. Ça nous en fait 7. Alors, grimacier agri. Aigri. Un citron vert, quoi. Un citron vert, ça remplit combien de bocaux? 1,5 au moins. Ouais, c'est ça. J'allais dire 2, mais non. 1,5. Ah là là, on a fini la bottle blue. Quel drame. Mais bon, au moins on a fini the bottle blue. Exploration jour 3. Ouais, normalement les Pikmin ont quand même pas... Oh oui, oula, ils ont bien grimpé. Aucune perte. Ah, on a 101 Pikmin Rock en tout. Oh là là, c'est nice ça. Déjà. Ok. 5 fruits, 7 potions, enfin 7 boissons énergisantes nutritives. On a réussi à récupérer le terminal de communication que la créature géante avait avalé. Alf dit qu'il peut utiliser les composants de cet appareil pour élargir le périmètre de communication du Drake. Ce soir, il est trop occupé à améliorer le vaisseau, alors c'est moi qui rédige le rapport. Alf travaille 100% du temps. Quel courage, moi, je ne pourrais pas. Feignante. Oh là là, je sais pas si j'ai bien lu, je pense que ça s'était plutôt bien dérouillé. Débrouillé, pardon, poté. Vous pouvez désormais affronter le Mandipat en combat fatidique. Ouais. Sauvegarde effectuée. Et là, ils vont me dire, normalement, eh oui, la version démo prend fin ici. Bon, pour vous, ça ne change que dalle. Pour vous récompenser d'avoir vaincu le manipulateur, quelques missions supplémentaires et le niveau de difficulté supérieur pic seront débloqués dans la version complète. Bien sûr. Alors, moi j'ai le jeu, donc bon, voilà. Oh non, mais ça spoil. Non mais oh, les enfoirés. Ah ben au moins vous verrez l'intro du jeu qui est magnifique, que je ne montre jamais. Voilà, mes let's play. Donc, mesdames, messieurs, voilà, hein, cet épisode prend fin. Pour moi, la démo est finie. J'aurai le jeu dans 2 semaines. Et vous, les épisodes arriveront. Voilà. Et bon, vous, ça changera rien. Voilà. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire et tout le blabla que tous les youtubeurs font. Je vais pas. Voilà, des fois je le dis entièrement, mais voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.